Bonjour à tous, je ne sais pas si tout le monde dort ce matin, Judith est là, on va attendre une petite minute peut-être pour voir si les autres arrivent et puis on pourra commencer le cours tranquillement. Alors, les gens arrivent petit à petit, on sent que c'est jeudi, hein, on est tranquille. Donc, bonjour Judith, bonjour Ankuta, bonjour Anthony, bonjour Save the Best. On va voir s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Je vois que Caroline Lulu est là. Bonjour Caroline Lulu, bonjour Abir, bonjour Cosmina. Bélou, bah écoutez, on va commencer si vous voulez bien, et puis les autres arriveront probablement. C'est comme d'habitude notre exercice qui s'intitule « À vous la parole ». Et donc l'idée c'est de finir la phrase « Ce qui me fait rire, c'est ». Prenez une minute pour écrire votre phrase, écrivez-la en commentaire ou dans le chat. Et je ferai la correction si c'est nécessaire. Merci. Alors, et c'est Yulia qui commence. Bonjour Yulia. Ce qui me fait rire, c'est des choses drôles. D'accord, bah écoutez, pas de problème. Judith nous dit, ce qui me fait rire, c'est... Faites attention, Judith, film, en fait, c'est masculin. Et donc, on va dire, c'est un film avec Jean Reno. Si vous dites un film avec Jean Reno, j'attends plus ou moins de savoir quel est le film. Mais c'est comme vous voulez. Ensuite, nous avons Ankuta qui nous dit « Ce qui me fait rire, c'est une lapine blanche ». D'accord. Christine, bonjour Christine, j'espère que vous allez bien. Alors Christine, vous pouvez nous écrire, s'il vous plaît, la fin de cette phrase « Ce qui me fait rire, c'est ».
Meron, bonjour Meron, j'espère que vous allez bien. I just called, bonjour I just called. Alors Cosmina Bellou nous dit, ce qui me fait rire sont les blagues de mon fils. D'accord, très bien. Caroline Lulu qui nous dit, c'est mon fils qui me fait rire. Très bien, Caroline. Ensuite, je regarde. Finzark. Bonjour, Finzark. J'espère que vous allez bien. Abir. Ce qui me fait rire, c'est quand nous jouons avec ma petite sœur. Ça, c'est très sympathique aussi. Meron. Ce qui me fait rire, c'est un film comédien. Faites attention, en général on va dire c'est une comédie, hein, un film comique, un film drôle, mais sinon c'est une comédie, on ne l'utilise pas comme, comme ça. Marwa, bonjour, si Marwa vous voulez continuer la phrase, ce serait très très gentil. Ou alors sinon on peut directement attaquer avec l'exercice suivant. Et l'exercice suivant c'est comme d'habitude, s'il vous plaît, décrivez la photo. Vous avez une petite minute pour écrire votre phrase. Alors, Ice Cubes nous rejoint. Bonjour Ice Cubes, nous espérons que vous allez bien. Regardez, on a commencé le cours déjà. Et si vous pouvez décrire la photo, ce serait très très gentil. Alors, regardons vos réponses, c'est pas vraiment des réponses, mais vos descriptions. Finzark nous dit, une personne veut voler la nourriture, peut-être. C'est possible. Ankuta nous dit, c'est une fille qui mange. Là, c'est parfait aussi, pas de problème. Caroline Lulu nous dit, quelqu'un donne une vieille dame son repas. Oui, alors faites attention, Caroline Lulu, quand vous allez utiliser cette structure, on va dire, quelqu'un donne à une vieille dame, donc utilisez la préposition à. Donc, quelqu'un donne à une vieille dame son repas. Et là, c'est parfait, Caroline Lulu. Christine nous dit, la mère donne le dîner à la fille. D'accord, donc là, vous avez bien utilisé la préposition.
Félicitations, Christine. Habir nous dit, je peux voir une personne qui essaie d'aider sa grand-mère. Faites attention, Habir. Grand-mère, il n'y a pas de E à la fin de grand. C'est pas grande-mère, mais en fait, c'est grand-mère. Donc, qui essaye d'aider sa grand-mère, même chose, à prendre son repas. Aider quelqu'un à faire quelque chose. Mettez la préposition à et ce sera formidable. Ensuite, Méron nous dit la petite fille. Ouais, Méron, il faut conjuguer votre verbe manger. La petite fille mange, mais aider. Alors, aider, on va l'utiliser en adjectif. Donc, E accent aigu, E. Par sa mère. La petite fille mange, mais aidée par sa mère. Ashley, bonjour Ashley, comment ça va? Vous avez bien dormi, j'espère. I just called nous dit, il y a une mère avec sa fille, elles mangent ensemble. Faites attention, I just called, ensemble, on l'écrit E-N-S-E-M-B-L-E. Julia qui nous dit, le centre de la photo, c'est la main d'une... Des apostrophes, femme avec une fourchette, E-T-T-E, une petite fille à côté, regarde, comment, C-O-M-M-E-N-T, comment la maman mange, mange avec un N. Anthony qui nous dit la petite fille mange, ah ben c'était la même chose. Alors ensuite, Ice Cubes qui nous dit la mère fait manger sa sœur. Ben ça c'est bien, là on a utilisé le faire, hein. C'est bien, merci beaucoup. Ensuite, je regarde, attendez, je suis un petit peu perdu, voilà. Bickert nous dit bonjour, belle photo. Alors bonjour Bickert, j'espère que vous allez bien. Tant une manger, donc une mère prépare à manger pour sa fille, d'accord? Ouais, essayez de faire des phrases parce que là c'est un petit peu, c'est difficile de suivre, Bickert. Cosmina Bellou, voilà ma gymnastique dans la matinée d'il y a 10 ans. Très bien, eh oui. Le temps passe. Ice Cubes, la mère fait manger sa fille, c'est parfait. Finzark, une femme donne le poison de salade à une autre femme. L'autre femme, elle est jeune quand même, c'est une fille peut-être. Sinsitu nous dit bonjour. Bonjour Sinsitu. Très bien, après c'est les gens qui se disent bonjour. Marwa qui dit une mère est en train d'aider sa fille à manger. Très bien. Anthony, donc la petite fille mange. Ouais, il faut conjuguer hein, vraiment Anthony. Hein, il faut conjuguer votre verbe, ce sera mieux. Alors, on continue. Et hier, on avait fait cet exercice. Mais j'ai l'impression que c'était pas très très clair, donc j'ai juste envie qu'on prenne quelques minutes pour refaire ces exercices, enfin cet exercice-là. Vous allez voir que c'était assez facile. Maintenant, souvenez-vous, l'idée c'était la négation quand nous avons « avoir » et la transformation des articles indéfinis « un »,« une » et « des ». Donc, s'il vous plaît, écrivez-moi la forme négative de cette phrase. Et donc, on va regarder après comment c'est fait. Souvenez-vous que la difficulté, c'est la transformation du « un ». On va le transformer en quelque chose d'autre. Allez-y.
Alors, comme Caroline Lulu n'était pas là hier, Caroline Lulu peut-être ne sait pas que. Alors, regardez votre écran. En fait, l'idée, c'est que votre article indéfini 1 va être transformé en 2. La majorité d'entre vous a bien écrit la phrase. Abir, attention Abir, souvenez-vous, Ngoc, les, c'était pareil, souvenez-vous, Ankuta, c'est pareil. Alors Judith, Judith veut utiliser ou réutiliser aucun, pas de problème Judith, on avait effectivement vu aucun. Bon, ici, l'idée c'est que un, une ou des, quand vous les utilisez avec avoir, vont se transformer en de. Donc, je n'ai pas de chien. Ice Cube demande s'il y a une logique. Il y a rarement une logique en français. La règle ici, c'est que c'est avec avoir. Et donc, c'est la forme négative. Hein. On est d'accord, c'est la forme négative. Et Ice Cube, si vous voulez une totale honnêteté, il y a, comme d'habitude, quelques exceptions aussi. Donc ici, on ne regarde pas vraiment les exceptions. Abdedaim, pardon. Oui, c'est ça, Abdedaim. Medmouad nous donne « Je n'ai pas de chien ». Et c'est très très bien. Donc effectivement, ici, le 1, le une et le des vont se transformer en deux. Regardons le deuxième exemple. Je vous attends. Alors là, quand je regarde vos réponses, tout semble correct. Faites attention, Ashley. Hein. Ashley, l'idée, c'est vraiment de transformer le une en deux hein, pour la forme négative. Donc, je n'ai pas de voiture. C'est bien, Caroline Lulu a bien compris la mécanique. Finzark nous met une petite illustration de voiture. Et nous sommes d'accord, donc là c'était clair. On continue avec cette forme. C'était ce qu'on avait fait, je crois, hier, et c'était la dernière phrase d'hier. Alors, regardons vos réponses. Donc, l'idée ici, c'est la même chose, c'est-à-dire que normalement, on doit utiliser de, mais comme vous avez
Comme vous remarquez, un verbe qui commence avec le son d'une voyelle, le e va disparaître et vous allez mettre l'apostrophe. Je n'ai pas d'amis. Alors attention, attention, je regarde. Judith, faites attention, hein, je n'ai pas d'amis. Regardez sur votre écran. Bickert, c'est bon. Christine, faites attention aussi. Christine, je n'ai pas d'amis. Sin-Situ, c'était bon. Mohamed, Saber, faites attention. Même chose, je n'ai pas d'amis. Save the best. Je n'ai pas deux amis, mais vous allez mettre l'apostrophe. D'accord. Ankuta, c'est bon. Je regarde. Ushashri, je n'ai pas d'amis. D apostrophe. Souvenez-vous, on va mettre je n'ai pas de amis, mais le E va disparaître et on met l'apostrophe. Caroline, Caroline Lulu, même chose ici, faites attention. Je n'ai pas des apostrophes d'amis. Hein. Abdedaïm, je n'ai pas d'amis, c'est la même chose. Il faut faire attention. Pour les autres, j'ai l'impression que c'est à peu près correct. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème. Bon, on va continuer. Donc ça, c'était juste pour voir si l'exercice d'hier était à peu près correct et rafraîchir la mémoire. Ici, on va continuer aussi ce que nous avons commencé hier. Souvenez-vous, c'était le passé composé. Et donc, comme d'habitude, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me donner pour le verbe joindre la première personne, je, au passé composé, à la forme négative, s'il vous plaît. Vous avez une minute. Je, passé composé, forme négative. Je regarde vos réponses, apparemment tout est correct. Le participe passé, c'était joint, J-O-I-N-T. Hein, souvenez-vous que c'est avec un T à la fin. Et quand vous mettez donc la forme négative, je n'ai pas joint. Comme d'habitude, le N avant avoir ou être, ici c'est avoir. Votre pas juste après. Et ensuite, votre participe passé. Donc là, tout est clair. Hein, donc, je n'ai pas joint. Judith est très généreuse. Judith nous donne l'affirmatif et le négatif. Caroline Lulu, c'est bon. Abir, c'est bon. Marois, c'est bon. Tout le monde est bon, là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Lire, s'il vous plaît. Deuxième personne, tu... Passé composé, forme négative, s'il vous plaît.
Alors, regardons vos réponses. La première chose que nous devons clarifier, donc, c'est le participe passé. Le participe passé de lire, c'est lu. Faites attention, je crois que Ice Cubes, vous avez fait une erreur assez classique. Vous avez dit li, L-I-T. Judith aussi, vous avez proposé li, L-I-T. Faites attention, c'est lu, hein, L-U. Je regarde les autres réponses. Non, jusqu'à maintenant tout va bien. Donc lu, et puis après ça on va utiliser avec avoir. Si on met les deux parties de la négation, dans ce cas-là, on va dire tu n'as pas lu. Ashley nous a proposé la version sans la première partie de la négation, tu as pas lu, qui est acceptable quand c'est du français parlé. Vous pouvez même faire la contraction, Ashley, vous pouvez dire t'as pas lu, c'est possible. Mais faites attention, c'est toujours bien de commencer avec les deux parties de la négation et après de prendre des libertés. Regardons le prochain verbe et c'est mettre. On va écrire mettre à la troisième personne du singulier, elle. Passé composé, forme négative, s'il vous plaît. Bonjour Joseph. Joseph nous rejoint. Participez au cours, s'il vous plaît. Alors oui, donc là aussi la même chose, le participe passé c'est mi, donc M-I-S. Alors faites attention, Ashley vous l'avez écrit avec un T, bon c'est pas très grave parce que c'est la même prononciation, mais normalement on l'écrit avec M-I-S, avec un S. Christine aussi, faites attention, ce n'est pas M-I-T, mais c'est vraiment M-I-S. Je vois alors les nouvelles personnes qui participent. On a Smile, Smile, c'est parfaitement écrit. Caroline Lulu, c'est bien écrit. Abir, c'est bien. Anthony, c'est bien. Ankuta, c'est bien. Judith, faites attention, Judith. Ici, c'était le passé composé, Judith. D'accord? Donc, elle a mis, hein, passé composé, elle n'a pas mis. Forme négative. Ngoc, c'est bien. Marwa aussi. Nakazi, pas de problème. Hélène qui nous dit Hi guys. Hi Hélène. Join the class and do the exercises with us. It will be fun. Très bien. Allez, le prochain verbe, c'est mourir. Et c'est pas très très sympathique. Donc on va utiliser il au singulier. Donc, passé composé, forme négative. Il, singulier, passé composé, forme négative pour mourir, s'il vous plaît. Thank you.
Alors là, l'avantage, c'est qu'on ne l'utilise pas très très souvent, ce verbe, mais je l'ai mis parce que c'est vraiment un verbe irrégulier. Et regardez, le participe passé de mourir, c'est mort. Mort. Alors, Julia, faites attention, il n'y a pas de U. Ruka, faites attention, c'est pas mourir, hein, vous êtes logique, et ça c'est bien, mais les Français sont pas logiques, donc ils ont décidé de mettre mort, Mort. Alors regardons, ça c'était la première chose qu'on doit regarder. Je suis en train de regarder vos réponses, non, c'est bien. Après, la deuxième chose qu'il va falloir regarder, c'est est-ce qu'on utilise avoir ou est-ce qu'on utilise être? Et en fait, on va utiliser être. Donc, on doit utiliser la forme est, est. Il n'est pas mort. Ruka, donc Ruka, c'est pas avoir. Sinsitu, ce n'est pas avoir. Smile, ce n'est pas avoir. Je regarde vos réponses. Christine, ce n'est pas avoir non plus. Bickert, ce n'est pas avoir. Ruka, ce n'est pas avoir. Berila, ce n'est pas avoir. Abdemain, ce n'est pas avoir. Caroline, Lulu, c'est bon. Et les autres, ben les autres, c'est bon. Voilà. Donc souvenez-vous, on utilise être. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on utilise être, votre participe passé, là, on avait le masculin. Donc on entend juste le r à la fin, mort. Si vous mettez la forme féminine, on entendra donc la différence entre le masculin mort et le féminin morte. D'accord? Il n'est pas mort, elle n'est pas morte. Donc là, on entend le féminin quand on le met. Voilà. Continuons avec le verbe naître. On va mettre pour naître, si c'est possible, nous. Et puis la forme négative au passé composé, comme d'habitude. Donc nous. Forme négative du passé composé. Alors, commençons à regarder tout ce que vous m'avez écrit. Donc, la première chose là aussi, c'est d'identifier le participe passé. Le participe passé, c'est né. Donc, ça, c'est la forme basique. Mais comme nous avons vu pour mourir, naître, ce sera la même chose. On va utiliser être. Et donc, comme on utilise être, on doit marquer le féminin, le pluriel ou le féminin pluriel. Donc ici, c'est comme on veut. On peut décider que c'est masculin pluriel ou féminin pluriel, finalement. Mais en tout cas, on doit marquer quelque chose à la fin. Le minimum, c'est de marquer le pluriel. Donc le S, il est obligatoire. N, E, accent aigu, S. Si vous décidez que c'est un groupe de femmes qui s'expriment, vous pouvez mettre le féminin pluriel, N, E, accent aigu, ES. Le verbe, donc, c'est bien être. On le conjugue somme,
pour la première personne du pluriel, SOMMES. Et ça, c'est à peu près clair. Ngok les, faites attention, somme avec un S à la fin. I just called, faites attention, ce n'est pas son, hein, mais c'est somme, SOMMES. Et là, il n'y a pas de problème. Je regarde les autres. Kigan Man nous dit salut les élèves. Salut Kigan, salut à Frérouanda. Vous pouvez participer au cours. Merci beaucoup. Je regarde ensuite les autres réponses. Non, tout semble à peu près correct. Pas de problème. Donc n'oubliez pas un pluriel et féminin pluriel si vous le voulez. Regardons maintenant offrir. Donnez-moi vous, forme négative du passé composé, s'il vous plaît. Vous, forme négative du passé composé. Alors, Finzark pose la question, est-ce que c'est Offri? Ashley va aussi vers Offri. Sin, si tu vas vers Offri. Julia va vers Offri. Abir est la première à nous donner la bonne réponse. Le participe passé d'offrir, c'est comme ouvrir, c'est comme couvrir, c'est comme découvrir. Ça va être ERT. Offert, donc ça, ce sera notre participe passé. Après, on va utiliser avoir parce qu'il est tout à fait normal. Donc, vous n'avez, et là on met la deuxième partie de la négation, pas offert. Smile, attention, vous n'avez pas offert. Caroline Lulu, attention, vous n'avez V-E-Z. Et regardez le participe passé à votre écran offert. Nakazi, vous n'avez pas offert, c'est parfait. Joseph, c'était bien. Julia, attention, c'était offert. Hein. Ensuite, Cosmina, c'était bien, pas de problème. Bickert, faites attention, c'est offert. O-F-F-E-R-T. Abdedaim, c'était bien. Finzark, attention, c'était offert. Ensuite, Anthony, offert aussi. Faites attention, Ice Cube, c'était offert. Judith, c'est bien. Donc, Julia a corrigé. I just called, c'était parfait. Ruka, alors Ruka qui l'avait mis la forme affirmative. Bon, bah, d'accord. L'idée, c'était de mettre la négation, mais ça va. Anas, c'est bien. Berila, pas de problème. Finzark corrige, c'est bien. Caroline, il n'y a pas de problème. Ne vous excusez pas. Ashley qui dit, j'avais aucune idée. Mais c'est pas grave, Ashley, c'est bien. Il faut toujours essayer. Hein. Donc, si vous dites offri, le côté positif, c'est que les gens vont comprendre. Vous voyez, les gens vont comprendre. C'est une erreur, mais c'est pas grave. Probablement, vous écouterez et les autres personnes vont répéter différemment et vous allez corriger automatiquement. Derwan nous dit bonjour. Bonjour Derwan, participez au cours. Sushmita aussi, bienvenue. Alors, Ankuta, vous n'avez pas offert, c'est bien. Smile, oui, offert. Christine, c'est bien écrit. Sin situ, c'est bien. Anthony, c'est parfait. Et donc Ashley qui avait corrigé et qui refuse toujours, mais c'est un principe peut-être, de mettre la première partie de la négation. Quel révolutionnaire cet Ashley! Alors regardez, alors attention, là logiquement vous pouvez imaginer que ouvrir est un peu comme offrir. Donc donnez-moi s'il vous plaît, elle, pluriel, passé composé, forme négative, merci.
Alors, Finzark nous dit ouvert. Oui, je vais être très gentil avec vous. Je vais vous dire oui, c'est ouvert. Donc, Ice Cubes, eh ben voilà, Ice Cubes, elle aime bien faire des listes aussi. Donc, offert, couvert, ou ouvert, couvert et découvert. Oui, c'était ça. Alors, Ice Cube, il y a aussi souffrir, si vous voulez rajouter à votre liste. Alors, je regarde vos réponses qui arrivent, Ashley, c'est bien, Julia, c'est bien, I just called, faites attention, c'était ouvert, hein. Vous avez oublié le U, ouvert, Abir, c'est bien, Abdedaim, c'est bien, Cosmina, pas de problème, Sushmita, c'est bien, Save the Best, c'est parfait aussi, Anas, alors Anas, vous avez dit offrir. Vous êtes. Rafraîchissez votre page, Anas. Nous ne sommes pas synchronisés. Méron, donc c'est bien. Kigan, c'est bien. Judith, c'est parfait. Vous l'avez mis au singulier. Bon, ben, c'est pas grave. Bickert, d'accord. Joseph, c'est bien. Bon, ben écoutez, je pense que tout le monde, je regarde si je vois des erreurs. Faites attention, Christine. Christine, en fait, comme on utilise avoir, on ne va pas marquer à la fin du participe passé le féminin pluriel. D'accord ? Donc vous aurez juste la forme ouvert qui va être la même forme pour le masculin, pour le singulier, pour le féminin, singulier, féminin pluriel. Caroline, c'est bien. Ensuite, je regarde. Non, tout va bien. Nelson voulait faire une petite phrase. Et c'est parfait. Très bien. On peut continuer. Smile aussi, c'était bien. Regardez, donc c'était ouvert, on est d'accord. Maintenant, donnez-moi paraître. Paraître, s'il vous plaît, on ne va pas te faire de phrase pour aller plus vite maintenant. Donnez-moi juste le participe passé de paraître. Merci. Donc là, c'est une formalité, puisque je vois que tout le monde a la bonne forme. Donc, paraître, c'est paru. Regardons le verbe suivant, et c'est peindre. Je vous attends aussi. Juste le participe passé, s'il vous plaît. Alors, Ice Cube nous a proposé une formule intéressante, puisque c'est « peu ». Alors, Ice Cube, ça n'existe pas encore. Donc, essayons d'imaginer quel verbe pourrait correspondre à ce participe passé. Alors, ça n'est pas « peu », désolé. Donc jusqu'à maintenant, tout va bien. Attention à Anas. Anas, vous avez fait une erreur assez classique, pendu. C'est une erreur logique, hein, puisque vous êtes logique. Malheureusement, peindre, regardez ici, c'est peint. Hein. Donc c'est P-E-I-N-T.
l'été. Alors, Christine nous donnait paru, c'était pour le verbe précédent, pas de problème. Judith a oublié, c'est pas grave. Notez, hein, notez, faites des listes, et comme ça vous pourrez vous en souvenir. Donc, peindre, peint. Regardez, pouvoir, c'est la même chose. J'aimerais bien juste le participe passé. Alors, celui-là, il est très court puisque c'est pu. On l'utilise avec avoir, souvenez-vous. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le clavier de Ashley, puisque Ashley il nous a mis où. Finzark avait décidé, comme d'habitude, d'inverser les lettres et d'où mettre Up, qui n'existe pas vraiment. Abdedaïm nous a donné la bonne réponse. Ben, je crois que tout le monde l'a à peu près. Oui, alors effectivement, avec toutes les combinaisons possibles pour Finzark. Regardons maintenant l'exercice suivant. À vous la parole. Je me demande où. Continuez la phrase, s'il vous plaît. Alors, Kigan demande si c'est une question de rapidité. Non, c'est pas une question de rapidité, Kigan. L'idée, c'est d'écrire le plus correctement possible. Donc, c'est à vous de voir. Alors, attendez. Et voilà, Finzark, merci pour les participes passés. C'est très, très gentil. Nous pouvons dire merci à Finzark qui nous aide toujours. Alors, et ça commence avec Keegan qui définitivement veut être le premier. Alors, il nous propose une belle phrase qui est un petit peu courte, hein, Keegan, il faut être généreux. Je me demande où se trouve Kiribati. Moi aussi, je me demande où se trouve Kiribati. Si vous avez la réponse, Keegan, donnez-nous la réponse. Ensuite, alors, Sin Situ nous dit, je me demande où je vais faire des courses. Et là, c'est très bien écrit aussi. Sushmita nous dit, je me demande où. Alors, faites attention, Sushmita, dans une structure comme ça, on va garder l'ordre. Donc, je me demande où vous travailler. D'accord? On va pas faire l'inversion. Je me demande où vous travaillez. Sinon, c'est parfait. Ensuite, Caroline Lulu nous dit, je me demande où est la voiture. C'est très bien. Ice Cubes, je me demande où sera, avec un E, ma prochaine vacances. Ouais, faites attention. Parce que vacances, en fait, c'est pluriel. Et comme c'est pluriel, on va dire, je me demande où seront, donc SERONT, après vous allez mettre le pluriel, mais, MES,
prochaine avec un S et vacances avec un S. Anne Kuta qui nous dit, je me demande où manger quelque chose. Ouais, utilisez peut-être une structure où, alors regardez, je me demande où je vais manger quelque chose, le futur proche. Là, ça irait. Judith, je me demande où je peux trouver, infinitif, ER, une place pour faire du sport. Faites attention, Judith, une place en français, c'est pas comme en anglais. Donc, en anglais, a place, vous allez utiliser un endroit, E-N-D-R-O-I-T, ou un lieu. L-I-E-U, et ça ce sera meilleur, enfin ce sera oui, plus adapté. Nakazi, je me demande où est mon sac, là c'est parfait. Abdedaïm, je me demande où se terminera, faites attention, oui, cette pandémie. Si vous dites où, c'est vraiment géographique ici, hein. Si vous voulez plutôt le temps, ce sera je me demande quand se terminera, mais c'est comme vous voulez. Julia, je me demande où je peux, avec un X, s'il vous plaît, Julia, aller cette année avec un E à la fin. D'accord, Judith qui dit, parce que j'ai pris 10 kilos de plus. On a tous pris des kilos, Judith. C'est le confinement. Joseph, je me demande où j'irai immédiatement après le confinement, car j'ai envie de sortir. C'est parfait, Joseph, c'est très bien. Ruka, je me demande où va mon chat parfois. Ça, c'est vrai que ce serait intéressant. Vous pouvez fixer une caméra sur le chat, Ruka. Bickert, je me demande où faire du sport. Très bien, Bickert. Faites attention, sport, on écrit S-P-O-R-T. Hein, on ne prononce pas le T, mais on écrit quand même. Alors, Christine Watson qui dit, je me demande où je vais en vacances l'année prochaine. Très bien. Alors, vous pouvez utiliser le présent, où je vais. Vous pouvez utiliser le futur proche, peut-être, où je vais partir, ou alors vous pouvez utiliser le futur où j'irai, I-R-A-I. Ice Cubes nous dit, je me demande où habite Vincent. C'est un mystère. Cosmina Bellou, je me demande où je peux trouver le pays de la jeunesse éternelle. Ça c'est une bonne question. À l'intérieur de vous-même, Cosmina Bellou, il est là le pays de la jeunesse éternelle. Alors Ashley qui se pose la question, je me demande où on va dans l'avenir. Ben, Ashley, je pense qu'on va tous en Suisse, dans les montagnes. Finzark, je me demande où j'ai perdu mon cœur. Ah ben oui, regardez derrière vous, des fois c'est là que ça se passe. Anthony dit, je me demande où... Ouais. Où, Anthony, il faut mettre un verbe. Hein. Je me demande où est, E-S-T, ma maison. Et là, c'est parfait. Aya Abdullah qui nous dit, je me demande où est mon livre. C'est très bien, Aya Abdullah. Abir qui nous dit, je me demande où je... Ouais, faites attention, Abir. Là, on veut utiliser le futur. Utilisez le futur proche, ce sera plus simple. Où je vais, le verbe aller au présent, V-A-I-S, partir en vacances. Là, ce sera beaucoup plus facile. Berilla, je me demande où j'ai laissé mes lunettes. En général, c'est sur votre nez. Joseph, merci beaucoup. Ok, Fitzak. Ah là, les gens se disent merci. Sushmita, je me demande où vous travaillez. Oui, c'est bien corrigé. Nelson, je me demande où je serais si je n'étais pas à l'intérieur. Probablement à l'extérieur, Nelson. Méron, je me demande où est le traitement Covid-19. Très bien. Sinon, tout le monde a continué. Anne Kuta qui dit, je me demande où vous habitez. Ouais, faites attention, Anne Kuta. Comme tout à l'heure, hein, on met la structure. C'est pas une question ici, hein, finalement. C'est je me demande où vous habitez. Très bien. Bon, bah, écoutez, tout est clair maintenant. Regardez,
Et puis c'est toujours comme d'habitude, une petite photo. Faites-moi une description et je pense que ce sera le dernier exercice pour la première partie. Si vous voulez, on continuera, on fera une heure supplémentaire. Alors, je regarde vos réponses qui commencent à arriver et en même temps, je remets ce petit écran pour que ce soit clair. Si vous voulez continuer, on va faire une petite pause café et puis 5 minutes maximum et après on pourra continuer pour la deuxième partie du cours si vous voulez. Alors, regardons ce que vous m'avez écrit. Alors, Finzark avait commencé avec un pain. Petite icône de pain, mais je trouve que mes baguettes étaient plus jolies que votre pain, Finzark. Smile nous dit une baguette. Alors, Smile, idéalement, il faudrait faire une petite phrase. L'idée, c'est pas de trouver juste le mot, mais Smile, l'idée, c'est de faire une phrase pour voir si vous structurez bien, si vous écrivez bien. Ruka qui dit beaucoup, faites attention, Ruka, pas de S à beaucoup, hein. Et souvenez-vous, quand on dit beaucoup, un peu, c'est toujours avec de. Ok? Beaucoup de pain sur la table. Donc pas d'article, hein, beaucoup de, et après votre mot pain. Beaucoup de pain sur la table. Nakazi qui dit les baguettes sont sur la table. C'est parfait. Judith, je vois 6 baguettes sur la table. Ouais. Alors Judith, quand vous en avez 6, ça veut dire que vous avez le pluriel. Donc vous mettez le S à la fin de baguette. On ne le prononce pas, mais c'est la marque du pluriel, souvenez-vous. Anthony, les baguettes sont sur la table. C'est parfait. Julia, la photo est une histoire féminin de 6 baguettes que personne n'a mangé. Hein. Si c'était qui, ça veut dire que c'est le sujet. Mais là, il n'y a pas de verbe hein, ici. Hein. Que personne n'a mangé, c'est complément d'objet direct. Personne n'a mangé les baguettes. Donc c'est que. Alors Caroline qui nous dit, donnez-moi des baguettes, s'il vous plaît. Je n'en ai pas. Ce sont des baguettes virtuelles que vous pouvez manger comme ça. Ashley, cela me rappelle que j'ai besoin d'acheter du pain pendant la pause. Mais il faudra aller rapidement, hein? Il y a du bon pain hein, en Suisse. Moi, je sais qu'à chaque fois, c'est toujours un plaisir de découvrir des choses différentes. Ice Cubes, il y a quelques pains sur la table, c'est bien. Anas, il y a 6 baguettes. Ouais, regardez, baguette, on écrit Baguettes. On met le S parce que c'est pluriel. Afri-Rwanda, le pain, ouais, le pain sur la table. Bah, Afri-Rwanda, on pourrait peut-être mettre le verbe être. Hein. Le pain est sur la table, d'accord? S'in-situ, il y a des pains sur la table. Ruka, donc mon seul repas. Joseph nous dit, il y a 6 pains sur la table, c'est pour le petit déjeuner. Faites attention, on va toujours le mettre au singulier. Alors, Abdedaïm, des baguettes au pluriel avec un S, sont.
Ah, sortent du four, oui. Sortent, le verbe sortir, quand vous le conjuguez, c'est sortent. Hein. Là, c'est le pluriel, vous avez des baguettes. Donc ensuite, Christine, je peux voir qu'il y a six baguettes qui sont sur la table. Hein. Vous êtes obligé de remettre le pronom relatif qui. Il y a six baguettes qui sont sur la table. Judith, d'accord, pas de problème, c'était bien. Regardons, regardons. Bon, après, c'est les gens qui communiquent entre eux. Tout le monde m'a dit des bonnes choses. Très bien. Bon, chose, comme on, si c'est clair pour vous, on fait une petite pause de 5 minutes, juste pour un café. Je vais arrêter le stream et puis on recommence un stream avec 1 heure de cours supplémentaire. Si vous êtes prêts à étudier avec moi. Allez, si c'est pas le cas, au revoir et à bientôt. Alors, juste pour Victoria, parce que Victoria vient d'arriver. Victoria, pas de problème. On fait la pause café, Victoria, ok? Donc, je vais arrêter le stream et je vais commencer un nouveau stream après. Donc, ne vous inquiétez pas. 5 minutes pour le café et on continue. À tout de suite.